with a bit oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre Mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Momo. Ouais. Aujourd'hui la famille, on se retrouve vraiment pour une vidéo assez importante où on va vous faire découvrir quelque chose vraiment d'important, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui le savent, mais pas tout le monde non plus. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ignore encore avec toutes les publicités qu'on se tape dans le monde aujourd'hui, que ce soit sur Spotify, sur YouTube, là où tu vas, il y a de la publicité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où la publicité a une énorme place dans la société, même au cinéma, tu vois. Tu payes pour aller voir un film, tu vas te taper des pubs. Voilà, tout au début, tu vas te taper des publicités. Et aujourd'hui, on voulait vous montrer un petit peu les publicités fake qu'il y a. Parce que oui, en fait, la plupart des pubs, par exemple, quand on va utiliser, je sais pas moi, de la glace, on va vous montrer un cornet de glace. Bah c'est pas réellement un cornet de glace. Qu'on va vous montrer, vous avez pu voir le burger McDo à la pub et le burger que vous avez dans votre assiette. Ah oui. C'est pas le même, et les frites non plus. Les frites, quand tu regardes dans le truc, ils ont tous la forme, voilà. Et quand tu vas les manger, bah c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas du tout ça. Ils sont là, il y en a un, il est comme ça, l'autre il est comme ça. L'autre il est comme ça, frérot. Sa grosse tante elle est tordue comme ça. Donc voilà, les frites elles sont pas vraiment pareilles, d'accord? Bon, en tout cas, si vous voulez un autre épisode, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage qui ferait plaisir à la famille. Alors pétez tout, partagez tout, likez tout, on compte sur vous, écoutez bien. Je compte vous faire un autre épisode qui est complètement débile et c'est malaisant. Ça je l'ai vu sur la chaîne d'un collègue youtubeur. Il a montré juste une petite séquence. Moi ce que j'aimerais en faire, c'est juste une vidéo entière, tu vois. C'est en fait Flash qui fait ça en fait. En fait c'est la série Flash. Et en fait on voit comment ils font les acteurs. Et en fait ta Flash il fait mais sans les effets, t'as vu, genre comme ça, comme ah ouais. Et t'as celle là, comment elle s'appelle, celle qui fait Superman, Supergirl, elle fait comme ça, donc vous voyez au bout d'un moment elle décolle et elle fait ça. La meuf elle fait ça en fait, et t'entends c'est trop marrant parce que tu vois, les acteurs, en fait, c'est tellement gênant. En fait, dans le film, elle est stylée, Supergirl. Elle fait ça, elle décolle et tout. Alors que dans la vraie vie, elle fait... Je vais me casser une épaule. Voilà, elle fait... Elle a fait ce bruit-là. Voilà, c'est vrai, en plus. Tu vois, dahak. En tout cas, je vous propose vraiment, pourquoi pas, un épisode sur ça aussi. Ça pourrait être vraiment cool. Moi, qui est fan de cinéma, aujourd'hui, je pense qu'on est très nombreux à être fan de cinéma. Je pense que ça va nous faire marrer. Tu serais chaud, toi, pour un épisode comme ça? Moi, je suis chaud, mais... Moi, je serais chaud, surtout, pas pour n'importe quel film. Vraiment, les films de super-héros, parce que c'est là où c'est vraiment le plus débile. Bah oui. Genre, évidemment, elle fait... Harry Potter aussi. Genre, évidemment, elle se met devant la caméra, elle fait ça, Supergirl. C'est trop marrant, parce dans que... Le film, je vais genre, dans le film, elle fait ça, frère, elle casse un immeuble, deux bâtiments, elle retourne une voiture, tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'en fait, dans la vie, elle c'est souffre, super. En fait, elle fait... Simplement. Ok. Bon, c'est parti, on va aller regarder tout ça. Mais cette vidéo me dit quelque chose, je crois que j'ai déjà vu, je suis déjà tombé sur des séquences sur Instagram. D'ailleurs, mon Instagram en description. Il y a des trucs qui se mangent, il y a des trucs qui se mangent pas. Mais l'inscrit, j'en suis sûr que c'est une fausse. Moi, il est bon. Oh, le burger, je pense, on va être vraiment chaud. Ouais, les burgers, j'ai déjà vu un petit peu sur internet. Ça, c'est chaud de ouf. Ils se font encore plus chier à nous faire des pubs fake que faire des vraies pubs. C'est incroyable. Les salades, elles sont bien droites avec le cure-dent, les tomates aussi. Derrière, le sandwich de vrai derrière, ça n'a rien à voir. Regarde comme il est sandwich en vrai. Celle-là, j'ai déjà vu, je crois. Je me rappelle plus ce que c'est, mais j'avais déjà vu. Ça me dit quelque chose. Ah, voilà, c'est pour les frites. Excuse-moi. Okay. Ils en ont mis plus, par contre. En réalité, je te dis. Sa tante là-bas. Sa tante là-bas, sa cousine, elle est là-bas de l'autre côté. Okay. De l'eau chaude. Ah, ouais, Zama. Gilette. Ah mais vraiment ça marche de partout la mousse à raser. Regarde la chantilly, bah oui. Elles font dans le tournage, bah oui. Frère. Après oui et non, ça dépend combien de temps ils prennent, hein. S'ils prennent le gâteau tout de suite. Non, tu vois, mais normalement ils font des shootings. C'est ça. Tu sais, voilà. Mais si tu poses la chantilly tout de suite, tu fais tout de suite la photo, t'as pas besoin de prendre de gilette, tu vois. Après dans le studio il fait chaud. C'est quoi ça? J'ai rien compris là, j'ai pas suivi. Ah, la fake glace. C'est même pas vraiment bien faite. Hein. Bah justement, hein. Comment vendre là, avec la belle photo, t'as l'impression que c'est une vraie glace et tout. Et quand t'as ta glace, voilà, c'est pas la même du tout, mon frère. T'as vu, elles font. Ça, j'ai vu. Ça, j'ai vu, je suis sûr, j'ai vu. Ils vont le mettre bien doré et tout. Du fond de teint. Ouais, ils ont mis du fond de teint, frère, voilà. Mais c'est stylé après, hein. Ça tue, hein. Ah ouais, ils sont forts, les cons. Ouais. Ça, je crois. Ah ouais, ça, c'est pour le Sprite, ah, je pense. Ça. Ouais, Sprite, t'as vu. Ouais. Voilà, c'est ça en plus. C'est quoi ça?
faire ressortir la couleur entre guillemets, tu vois. Putain, ils se prennent autant de mal pour faire des pubs, mon frère. Ah bah oui, il faut que ça vende, hein. Faut que ça soit beau, hein. C'est quoi ça? Ah, pour faire le côté frais. C'est vraiment des génies. T'inquiète pas que l'humain pour enculer un autre, il est toujours un génie. On dirait les œufs de... Nemo. Non, mais les œufs de poisson, on dirait. On dirait du caviar. Voilà. C'est du caviar, t'as raison. C'est quoi le caviar? C'est du poisson, ma gueule. Non, c'est pas du poisson. C'est les perles dans le truc de perles. Non, c'est pas des perles. Je sais pas, mais est-ce que je mange du caviar, ma gueule, tu me poses cette question. C'est quoi du caviar? Non, en vrai, je sais pas. J'en mange, moi, du caviar, t'as... Mais je sais pas, mais les gars... Moi, quand j'étais gamin, je croyais que c'est de l'alcool, le caviar. Parce qu'il y a du caviar. Mais voilà, arrête de parler alors. Après, je connais. Et le caviar, en fait, c'est des œufs de poisson, je crois. Si j'ai pas de bêtises, c'est des œufs de poisson. Des fois, tu dis de la merde. Voilà, c'est des œufs de poisson. Hé, bébé! Le caviar, c'est bien des œufs de poisson! Allez, ta gueule. Ouais, ça, tu vas voir. Là, en fait, c'est même plus les choses, les pubs fake là, qui nous montrent. Non, là, ils montrent des expériences, ma gueule. On est passé de pubs fake à des expériences? T'as vu comment ça tue, ça? Ah, ouais. Ça tue, pour de vrai. Je pense que là, c'est fake un peu, tu vois. Genre, ils ont vraiment abusé du bail. Ouais, ils ont un peu abusé du bail. Je pense pas que ça brille comme ça non plus, mais... Non, c'est du fake, ça, mais ça doit marcher. Ça, ça marche aussi, ça, parce que le spray, c'est très bien, c'est gazeux. Du coup, ça te les rend neufs. T'imagines toutes ces conneries de bouffe, qu'est-ce que ça doit faire à notre estomac? Tu sais pourquoi les anciens, ils vivent longtemps? Genre jusqu'à 90 ans, 100 ans et parce tout. Parce qu'ils mangeaient pas ces merdes. Parce qu'ils mangeaient pas du coca, des chips. Ouais, mais va pas trop loin non plus, parce que les abonnés te diront aussi qu'à l'époque, un humain ne vivait pas autant. Oui. À une certaine époque, un humain, il dépassait 40 ans, c'était... rarement la cinquantaine. Hein. Maintenant, notre durée de vie est plus haut qu'avant. Médecinement parlant, hein, médecine. Mais en réalité, si on bouffait pas la même merde qu'on bouffe aujourd'hui, on bouffe comme nos arrière-arrière-grands-parents, mais on a la médecine d'aujourd'hui, on survivrait encore plus. On t'a pris des 180 ans au calme, ouais, ouais, ouais. On dirait, ouais, je suis jeune. Ah ouais, t'as quel âge? J'ai 120 ans, c'est tout. Ah ouais, t'es jeune en fait, t'es mon merdeux. Hein. T'es mon merdeux. Non, je regarde, je commence. Arrête de dire, je suis ton merdeux. T'es mon merdeux. T'es comme mon merdeux. Bon, bref, la famille, en espérant que la vidéo vous a plu, prenez soin de vous et de la mienne. À très très bientôt pour de prochaines vidéos. Oui, à venir te mordre, ça serait con. Bref, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage en espérant que, que certains sont sur le cul en voyant ce qu'ils viennent de voir là. Voilà, beaucoup de pubs sont fausses et encore j'en passe, mais pour vous dire en fait, tout ce qu'on regarde à la télé, toutes les pubs qu'on voit à la c'est télé, faux, presque. C'est pratiquement tout est faux. Tout est faux, c'est la plupart du temps c'est de la mousse rasée, des trucs comme ça qu'on utilise, donc ça c'est une réalité par contre. Donc maintenant. Et alors les pubs McDo, je vous assure que c'est vraiment les plus fausses pétées, mais vraiment pétées fake les pubs McDo. Donc maintenant, dès que vous verrez les pubs dans les télés, vous direz. Non, mais même McDo, qui sait que c'est pas fake leur pub? Frérot, leurs frites elles sont comme ça quand tu vois. Voilà, t'es déjà allé une fois à McDo, t'as déjà vu tes frites elles étaient comme ça, frérot? Je t'ai dit, il y a sa tante là-bas, il y a sa tante là-bas. Exactement. Bref, la famille, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. Si vous voulez un épisode 2, n'oubliez pas le petit like, on compte sur vous, la famille. Et si vous voulez voir le truc aussi avec les acteurs, dites-le-moi dans l'espace commentaire. Dites-moi dans l'espace commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous aimeriez bien voir. Voilà, dites-moi ce que vous voulez voir. Et ouais, ça serait cool. Donc dites-moi ce que vous voulez voir. En plus, Momo, il a commencé à toucher un peu l'argent YouTube là. Ça veut dire que là, mon pote, il va pouvoir. Ah, ma gueule, attends, laisse-moi un peu. N'hésitez pas, la famille, à taper Momo. Sa chaîne, elle sera en description de toute façon pour aller vous abonner à sa chaîne. Il a bientôt 300 000 abonnés. Voilà, bientôt, il est pas très pressé, il se prend pas la tête. Il gratte pas de pub et tout, il monte tranquille. Voilà, il se sert pas beaucoup de moi alors qu'il pourrait se servir de mon nom pour marcher. Mais c'est très bien, je suis fier de lui parce qu'il essaye pas de se servir de la facilité, il essaye de se faire tout seul. Et ça, je respecte. Alors, ouais, ma gueule, ouais, minigaming stress, les gars. Bon, la famille, prenez soin de vous et de la MIFA. À très très bientôt. Ciao! Ciao! Gaming!